Dimanche 11 juillet 2021, bonjour, bonsoir tout le monde. Pas oublier si vous faites connecter sur le canal Zara ou sur TV Lakay. Nous comptons avec vous après-midi à là, donc pour nous continuer à informer vous, pour nous porter et bien vidéo ça pour vous qui gagne en pile information en dedans concernant assassinat président Jovenel Moïse. N'a profité de remercier tout ce là-haut qui toujours été connecté sur le canal ça, qui va jamais laguer. Nous n'a besoin merci pour confiance et fidélité. Merci tout pour chauffer de nous. Merci parce que vous toujours été, eh bien, connecté sur TV Lakay. Je dis à un colonel qui me l'a rebu depuis après assassinat président Jovenel Moïse là, qui de même été, eh bien, dans silence. Eh bien, je dis à là, ancien colonel là, sorti, dans silence, et monsieur, bah, en pile, gros révélation, assassinat président Jovenel Moïse là, qui joue aujourd'hui à la, son véritable flou, dans le dossier ça, que personne pas qu'à connaître réellement. Donc, c'est pas si par là, chaque monde a dit, mais ça qui fait, nous, ouais, des Colombiens, des mercenaires étrangers qui capturés, mais est-ce que c'est ça vraiment, eh bien, qui cause la mort président Jovenel Moïse, ou bien c'est Colombien, personnellement, qui est responsable, est-ce que par des Haïtiens qui derrière Zach Sahar, du parti politique, nous, pour qu'on connaisse, nous allons inviter autant de, eh bien, une grosse élaboration, colonel Imler Rebut a fait dans l'émission, et intérêt public qui passe sur antenne radio, qu'est-ce qu'il y a, avec Lilian Pierre-Paul, et eh bien, colonel là, dit causer, nous allons inviter autant de, sans perdre du temps. Dès que l'opération a commencé, que son environnement physique président est envahi, nous avons reçu des appels, qui t'a fait me suivre un peu en direct déroulement situation. Juste depuis dans une heure du matin jusqu'à dénouement final. Moi, j'ai été perplexe dans un premier temps parce que moi, j'ai pensé qu'un espace d'organisation de la sécurité d'un président de la République pouvait être aussi perméable. Il n'est pas fait pour le perméable, pas comme perméable, parce que système classique, organisation de la sécurité, d'un point névralgique, il est tellement clair que le monde n'est pas capable de pénétrer avec autant de facilité, ou pas gagner des complicités internes. Moi, j'ai même arrivé à une interrogation pour dire, est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui retrouve une situation qu'il ne comprend pas, qui t'a révélé des mondes qui t'a permis de rentrer, il est jusqu'au délire. On doute tellement. Jean pour organiser sécurité en VIP, son bagage, c'est ça, les standard operation procedure. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, son bagage qui est techniquement impossible, si pas gagner un bagage qui sort de l'intérieur, autoriser l'extérieur d'entrer. Moi, dans le dénouement de situation, j'étais totalement choqué, et même plus choqué après, le matin des femmes. Que le monde officiel a raconté pour justifier, etc. De toute façon, je regrette en pile et m'a dit que le président Jovenel Moïse, victime d'abord de impréparation sur le plan sociologique, sur le plan politique, et puis sur une trop grande confiance dans cette crise, tant que pas rien qui expliquait ça par rapport à parcours. Les victimes de l'entourage immédiat qui étaient plongés à battre bravo pour tout le bagaille qu'il a fait qui passa et qui a conduit à perdre. Mais songez, moi j'ai rencontré avec la plusieurs reprises. Il y a des bagailles qui ont été proposées, il y a des bagailles qui ont dit, moi dit non, président, c'est pas comme ça que ça a organisé, ça a fait là, pas nécessaire. Au contraire, mais qui autre pour faire? Même tu es toujours connu tout. Que ce n'est pas le type de discours que vous devriez attendre, que vous devriez quitter l'attendre. Donc, premier monde qui rend le président Jovenel Moïse victime, c'est insuffisance de préparation sur le plan social, sur le plan du savoir humain, sur le plan du savoir familial, sur le plan du savoir technique. Et il y a un monde qui est rentré dans la réception et qui voulait pour manger tout le bagage qui est sur la table. Il mangeait vraiment. Mais le rentré la caille, il prend indigestion, diarrhée, jusqu'à ce mourir. Deuxième monde qui tue lui, c'est monde qui entoure immédiatement. Toute pulsion gagne, tout désir gagne qui bat bravo dit oui, président, c'est ça marché, ou pire de passer Jean-Jacques Dessalines, ou pire de passer Capo à la mort, ou pire de passer François Duvalier, c'est monde qui a tiré. Pour conseiller, faux conseiller, de monde qui bat aucune culture politique.
aucune culture humaine et qui fait le quoi qu'elle a fait toute bagaille sur le plan social et économique, j'ai envie de le dire. Depuis son premier discours, quand il dit le président a parlé point barre là, c'est des premiers portes ouvertes sur disparition tragique. Je regrette comme monde infiniment, nation n'a pas besoin d'une si grande flagellation et au-delà de monde, ça a été entouré, qui menait à sa tête, jusqu'à monde qui a fait comprendre que le cap changer constitution pays, a janté le faire là. C'est tout le monde qui contribue à enfler tête et faire quoi que ça fait ou ça. Maintenant, au-delà de l'environnement, ça, il y a environnement organisation physique, sécurité là. Il y a environnement international. Donc, c'est tout élément ça qui contribue ensemble pour. Au-delà de la disparition d'un homme, mais mettez pays en tribulation extrêmement grave avec des perspectives assez sombres pour l'Afrique. Oui, colonel, justement, tout était. Est-ce que quand elle était, c'est un facteur qui t'a capté la cause du mouillage? Quand elle était à côté de la situation? Premier facteur, aucun monde qui est président de la Guadeloupe là, il ne faut pas comprendre rien même en matière de sécurité, ou même pas aucun conseiller qui est capable de dire que l'organe est petit corridor côté pour rentrer dans le président, même le bras chercher cadavre, ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on est dans Kaila? Ou qu'on est dans Kaila? Non, on ne peut pas dans le Kaila, même quand on voit des images. Vous voyez les images, c'est pas un bagage qui même inimaginable, même qu'un président a capable d'arrêter là. Cela veut dire que il y a un pile inconscient qui entoure le président, qui des sous-sous, qui parle le président, qui pas dire ça le fait pour le dire. Parce que le président Jovenel Moïse, côté premièrement côté l'arrêté, à son égard, il a arrêté, faire sortir le gars ça pour organiser ses gueules. Mais ça n'a pas été le cas, tout le monde. Mais Chita, je regarde même des vidéos côté des citoyens civils qui ont raconté, même pour des raisons liées à la nature, côté de l'eau qui a descendu le président par la capacité. Le seul citoyen qui était dans la zone qui a pas d'opinion et aucune raison. Donc, je crois que c'est un président, c'est d'être un mal-aimé, de monde qui t'a fait comprendre le remède, juste pour le bon petit monde. Qui a fait toute qualité des vies, toute qualité des hommes, ou a toléré le bouquin monté le gouvernement, jusqu'à ce qu'un jour il y a assassiné comme papa ou comme maman. C'est ça qui arrive là. C'est Mounsao qui, premier assassin président Jovenel Moïse, ceux-là qui n'ont pas eu le courage de lui dire la vérité, ou bien de monde qui n'a pas de compétence. Parce que je l'ai appelé plusieurs fois, je me rencontrer un président, mais le map sorti dans le bureau, c'est le grand monde qui, premier assesseur, il m'a regardé. Et je suis toujours content. Sous le refus que le débat président en demi-heure, elle m'a gardé yeux assez sérieux. Ce sont les premiers criminels, parce que ce sont des gens qui ont été à l'école, qui ont fait des études, qui savent très bien que c'est le tape du président ou pas ça. Ces mêmes gens avec cinq mounes qui ont rentré en demi-heure, ils ont dit, ils ont préparé la constitution pour le président, ils ont très bien ça, ils n'ont pas qu'à faire l'immoral, l'anormal, l'illégal. Mais ils ont dit, yo faire jusqu'à ce que pensez qu'on fait nous quoi que ça dit c'est ça, ce sont les vrais assassins du pays, les premiers assassins du pays. Oui, mais les vrais assassins qui retirent la ville. Mais quand il y a le facteur Kaila, gendarme à ville, situation géographique, li, on dit c'est un problème. Mais ce n'est pas, c'est pas situation géographique Kaila en soi qui touille. Parlez-nous de non, qui j'ai organisé sécurité et un président. Et la Kaili, par exemple. Est-ce que tout le monde qui a passé dans le Rouen quand elle était là? Est-ce que tout le monde qui a entré dans la Kouli? Comment ça fait? Mais non, mais, on va dire dans la cour, n'importe qui monde pas capable rentrer dans l'espace d'un kilomètre et demi dans la zone où le président prêté à 100 euros par tourner qui sont vichés, c'est qui ça va faire. Mais ça a été impossible parce que n'y a pas quelqu'un qui est entouré. Eh bien, c'est premier bagage, Abdoulaye, côté là, il n'y a pas de vérité là. Mais le premier bagage, l'organisation des systèmes de sécurité, lui, c'est ça, il y a un schéma classique. Les organiser deux gens, un des cercles concentriques ou un des cercles excentriques. Cercle concentrique, cela veut dire que bagaille cap sorti loin au fur et à mesure qu'il est capable de rapprocher le point vital. Par exemple, Saint-Bal. Moun qui est habitué à voyager en République dominicaine, a remarqué là où traverse ses frontières, que ce soit Jimani, que ce soit Malpas, que ce soit Malpas, que ce soit Elias Pina, que ce soit dans le point haut, ne pourra vers Puerto Plata. Ou après plus, ou sorti en Haïti,
ou ap rentre en République Dominicaine, se plus ou gen de point de contrôle ki fréquent. Se sa rele de 7 série. Plus ou ap traverse 7 sa yo, et que ou ap approche vers centre capitale la, ou ap wè 7 yo vin plus élargi. Sou jwen un poste de contrôle de l'autre traverse frontière, ou ap jwen a moins de 5 km ou ap jwen ou lè. Moins de 6 km ou ap jwen ou lè. A 10 km ou ap jwen ou lè. L'on fin passe tout sa yo, ou ap wè moins de 7 ki ale sou 15 km. Sou 20 km, jusqu'à sou rive dans des zones, kote se presque sou 50 ou 200 de km, jusqu'à sou le dispositif de contrôle la, éliminé. Se men magay la. Lè pou ta rive nou, pou ekote yon président yon, on dit côté président Jovenel Moïse rentré. Faut avoir des systèmes de contrôle, par exemple, lorsque saute Peskov descend depuis la zone la boule 12, et lorsque saute Pétionville monté depuis un point côté commissariat et à bon côté l'hôtel Kidam. Et faut avoir des systèmes de surveillance sur tout élément qui est suspect. Bon, naturellement, le plus difficile. Parce que c'est un axe de transport routier commun, tout on a passé. Donc le contrôle devient beaucoup plus difficile. C'est la première raison qui explique que le président n'a pas abrité là. Parce que le contrôle est difficile, sous pas qu'à dire impossible. Maintenant, l'arrivée dans la zone côté, le président était même. C'est même analyse d'acte faite, le maître Dorval de Mou. Pas qu'un grain cas possible que vous êtes capable de traverser, entrer, pèlerin 5 ans, sans que l'infrastructure, ma bouka fou côté pour qu'on ait imaginé dans le monde de infrastructure, ça qui là, pas clean toute machine et tout le monde qui a rentré dans la zone. Il vient difficile techniquement. Mais vous ne sortez pas derrière, en tout cas, de déboucher sur le pantalon noir. Oui, et bien, une seule sortie. Il y a plusieurs, l'autre est beaucoup plus contrôlable que ça qui est sur axe routier et usuel. L'autre est beaucoup plus contrôlable parce qu'il n'est pas très usité, il n'est pas très utilisé. D'ailleurs, il y a des routes assez escarpées, difficiles, fortement 4x4, ou pas d'abaler vite, il plus contrôlable. C'est ça où il est les avenues d'approche. Les avenues d'approche externes à l'envers Thomasin ou bien vers Montagnoir sont plus contrôlables que l'avenue d'approche directe là, qui se route là. Maintenant, techniquement, positionnement est mauvais. Mais, maintenant, là pour rentrer, non seulement dans la rue que le président était là, pour traverser la barrière, pour traverser la cour, pour rentrer dans la caille là, pour arriver juste dans la chambre du président là, si on va ouvrir la rue, on va pas rentrer. C'est impossible. Mais on dit qu'on pas de blindé, on dit qu'on pas de blindé dans la chambre. Ce qui est normal, côté ma parle avec Oula, dans la chambre côté Mia, pour rentrer, l'on pas de blindé, c'est pas mon couvert. À moins qu'on vienne avec masse, ou vienne avec toute bagaille pour frapper, et les gens, on va frapper, ma pointe va frapper. D'après toute information, connaît combien de monde qui assure la sécurité, Kai président? Moi, pas qu'on parle de effectif, moi, qu'on parle tout du système, parce que c'est pas forcément vrai. Que moun kap okupe de tâches sa yo, gen toute formation que yo da dwe genyen. Des policiers, en aucun cas, yon moun ki gen une formation de policier pas kap assurer la sécurité de président de la République. En aucun cas. Correct. Il y a trois aspects d'ordre militaire dans l'infrastructure sécurité des résidents. Système d'évacuation, système héliporté, système d'anticipation, d'intelligence. C'est trop compliqué pour la formation juste d'un policier. Par exemple, on prend tous les agents qui ou pas rentrer dans le secret service sont pas fait pour vous pendant plus d'une quinzaine d'années au niveau de l'armée des États-Unis. Oui, mais et UIGPN? Bon, UIGPN, son amalgame d'individus qui sont dans toute qualité de formation. Il y a des qui ont formation spécialisée. Par exemple, leur finger moun sa yo, qui ont toute formation sa yo. Formation en déminage, formation en explosif, formation en évacuation, formation du point de vue aérien. Tout bagage sa yo qui est compliqué. Ensuite, il faut avoir une formation spéciale que vous faites avec des center lines. C'est une formation spécialisée pour la sécurisation des VIP.
Par exemple, le président Jean-Claude Duvalier, les voulait assurer la sécurité. C'est une série de militaires aguerris formés, mais vous êtes prêts, monsieur Sayo, voyez aux États-Unis pendant plus de 3 mois à faire un entraînement spécialisé pour assurer la sécurité au VIP. Donc, c'est toute une infrastructure qui, en dehors du fonctionnement de la police nationale en tant que telle, par exemple, pour prendre qui dans le RGPN, il faut qu'il y ait plusieurs groupes. Ou bien un groupe qui a assuré la sécurité, espace bureau résident, espace palais national. Donc, c'est très bien entraîné, il fait travailler tout bien, c'est tout dans ma rentrée là, Maintenant, il y a ça, les éléments attachés au déplacement du président. Il y a toute la journée. Non, ça ressemble que l'imbécile qui a fait macaque et président qui a été fait pour te sauter les lois bas ça fait. Quand vous m'avez regardé, un président de la République qui saute le carnaval bord de paix, qui descend Gonaïve, qui compile les nègres avec 11 âmes de guerre, qui descend le monde à précision, à 300 mètres de distance, entouré. C'est un acte de sécurité suprême, c'est ne pas savoir ce que c'est que la sécurité. D'ailleurs, toutes âmes, ça n'est pas fait pour nos zones présidents. Ils ont fait pour un dernier cercle de surveillance et de supervision. Beaucoup de présidents, c'est ça, les dénex, c'est qu'ils ont urgence. Yo gen moyen, même si vous avez vest sous yo, yo gen gros armes sous yo, en bas vers pour intervenir, mais pour intervenir surtout pour protéger le président et non pour tirer sur des adversaires. C'est pas Wolpa ou ça. C'est ce qu'on appelle l'organisation des échelons de l'intervention. Maintenant, comme en Haïti, nous faisons tout le bail de votre gens, et assez souvent, le président, yo, même yo pas assez informé, nous rappelons le premier ministre, yo de toujours passer une blague, parce que yo n'aime pas marcher avec 10 nègres, yo n'aime pas marcher avec nèg qui gen ka goul, nèg qui a gauche à droite, yo dim que m'a prend pause. T'es même gros grand journaliste de nuit, mais rébilo président, on va marcher comme ça tout. Parce que mon yo pas connaît sa sécurité, la sécurité est invisible. Tout ça d'ab dire c'est très bien, mais là c'est en dedans, chamni, rentré. Comment expliquer par le combat? Comment expliquer par quel monde dans la sécurité qui blessé? Par quel monde qui mourit? Comment expliquer ça? Première conclusion, président, pas de aucune raison pour le descendre en insécurité jusqu'à ce que mon arrive dans la chambre. Est-ce que mon sait qu'on est habitué à la Kaili? C'est des habitués? Yo pas capable d'arriver jusqu'au côté président et à si président descendre en insécurité. C'est un gros acteur politique qui disait rat kay, kap manje bay kay. Moun qui rive assassiner président, c'est deux moun que président est capable de sentir, yo capable de river bon côté. Parce que c'est pas tout moun qui est capable de river bon côté président et qui est capable de river juste en chamne. Mais équipe là dit c'est des Colombiens. Mais pas qu'on aime, par contre, si yo Colombien, si yo Haïtien, si yo Italien, si yo Américain, mais yo pas capable de gagner autorisation pour yo river juste dans la chambre président. Si le président pas d'accord, s'il ne pas sentir en confiance que nous sommes capables de vivre dans l'hôtel, et si le palier de sécurité n'a pas d'autorisation pour rentrer. Ça veut dire qu'ils ont codifié l'apparaître comme mode code qui pour lancer pour connaître si nous avons droit pour l'entrée. Ils permettent que nous avons passé. Maintenant, c'est pour interroger les gens qui sont dans le système. Parce qu'il y a au moins 8 paliers, c'est ce qu'on appelle les échelons de la sécurité, 8 paliers pour franchir. Mais pour arriver contre le président Lia. Nous avons un exemple simple. Si vous prenez le palais national, vous avez rendez-vous avec le président. Pour venir contre le président, pour le faire entendre avec le président, vous avez une liste, vous voyez non. Lorsque vous parlez devant barrière pour l'ethnologie, vous vérifiez, premièrement, assez souvent, vous demandez dans quelle machine vous venez pour avoir un numéro de machine. Est-ce que vous avez un chauffeur? Lorsque vous parlez de descendre vidéo, vous constatez une liste que oui, Mounsa, c'est un tel et le rendez-vous avec le président. Malgré tout, yo faut bailler un papier quand vous permis de conduire. Yo enregistrer et enregistrer à l'air qu'on traverse le premier barrière. Mais est-ce que ça a existé? Est-ce que vous faites ça à la Kaili? Pas qu'on aime, mais pas l'eau côté moins important. La Kaili, quand le président a dormi, le plus important que côté la travail. Ma bon côté la travail. Deuxièmement, il faut traverser une deuxième barrière, l'on fin rentrer ou pour rentrer dans la coupe à l'air. Avant de rentrer, pour aller dans le parking, yo screen encore. Ou aller dans le parking ou déposer machine, ou pas rentrer la machine, ou descendre à pied, ou traverser une autre poste
contrôler bail permis de conduire, yo vérifier si ou sous liste pour venir le président et yo relé pour dire que gen un tel qui était invité qui là. Yo bail on l'autre côté qu'a rentré. On dit tout tourné. Là qu'on y a fini rentrer là. Ou bon quatrième poste, côté l'obra rentrer dans un bureau président, même téléphone ou bien, ou obligé de déposer là pour rentrer tout tourné ou passer en bas screen. Ou al chita Walton, avant yon agent diplomatique vine chercher ou al nan bureau président. Ça m'a pas le côté président chita nan bureau là. Mais probablement pas que tout bagay ça mardi soir. Ou pas qu'à bagay, ou il fait pour le plus, parce que côté président abdominien, les plus fragiles que côté la travail là. Oui, colonel, n'a pas retourné sur vous, qui est ancien commissaire gouvernement. Maître René, est-ce qu'on estime le dossier a bien engagé dans la justice? Et d'abord, nous avons le colonel et le colonel a bien élaboré.